Allô tout le monde! Alors aujourd'hui, c'est une petite cocotte qui m'a demandé de lui faire le dessin d'un papillon. Et dans le fond, j'ai décidé de lui faire les couleurs de l'arc-en-ciel parce que ces temps-ci, on a besoin de ces couleurs-là pour se dire que tout va bien aller. Donc, si tu veux faire ce dessin-là, tu vas avoir besoin d'un crayon au plomb, d'une efface, d'un crayon à pointe fine noire et bien entendu, de tes crayons de couleur. Donc, si tu es prêt, si tu es bien installé, on peut tout de suite passer à la vidéo! Voici le dessin que je te propose. Nous avons un papillon aux couleurs de l'arc-en-ciel qui est déposé dans un petit champ de fleurs. Donc voilà, je te laisse t'installer et on y va! Alors, pour commencer notre papillon, on va débuter avec une petite ligne oblique juste ici, duquel on va aller porter deux grands triangles. Un comme ça ici. Et tu vois, hein, on ne met pas la pointe. Et un deuxième comme ceci. Ensuite, on se fait un deuxième triangle qui va être en arrière de notre première aile de papillon, comme ça ici. Ici, on va aller se placer un demi-cercle. Par la suite, on va faire chacune de nos ailes. On suit la ligne et rendu ici, on finit avec une petite courbe. On entre à l'intérieur de notre triangle, on ressort et on re-rentre. Voilà. On fait la deuxième. Ici, on va venir juste couper notre triangle. On va venir suivre notre demi-cercle. Et on va venir arrondir la base de notre aile. On fait la même chose de ce côté-là. On suit la ligne. On termine avec un bout arrondi. On entre à l'intérieur et c'est terminé. On voit bien hein, que l'aile est en arrière. Ensuite, je vais aller me faire deux triangles à l'intérieur de ma première aile. Un et deux. Je vais aller rapporter la même forme dans l'aile qui est en arrière. Je vais me faire une forme dans l'aile du bas qui va suivre quand même la forme de mon aile. Et ensuite de ça, je vais aller me faire une ligne parallèle, comme ça ici. Voilà. Et une autre ligne parallèle qui va suivre tout le long. Voilà. De ce côté-là, je vais aller mettre des lignes obliques qui vont suivre le mouvement de mon aile. Et c'est là que je vais aller faire mon arc-en-ciel. Je rapporte la même chose de ce côté-là. Et de ce côté-ci, on va y aller comme ça ici, en espèce de soleil. Pour le corps, je vais lui faire une petite tête, un buste et un grand ovale. Je place mes deux antennes et voilà. Maintenant, je vais aller tout de suite avec mon crayon à pointe fine un peu plus épais et je vais aller ancrer l'ensemble de mon dessin.
Voilà. Et les deux petites antennes. Dans cette partie-ci, je vais aller mettre des petits ronds parce que ça me tente. Tu aurais pu faire n'importe quelle forme dans ton papillon, hein, parce que c'est le tien. Voilà. Ensuite, comme d'habitude, je viens effacer toutes mes lignes au crayon plomb. Et là, je vais aller choisir mes couleurs. Donc, je veux quelque chose qui va être arc-en-ciel. Hein? On a tous besoin d'un arc-en-ciel ces temps-ci. Donc, du jaune, du orange, un orange un petit peu plus foncé, du rose, plus foncé, du rouge, du mauve, du bleu, du turquoise et du vert. Ça va être ma suite logique pour mon papillon. Parce que j'en ai envie, je vais aller colorier ces grands espaces-là en jaune. On colore au complet. Comme ça ici. Et on continue de ce côté-là. Voilà. Et là, je vais aller mettre un peu d'orange dans mon jaune. À la base de chaque forme pour aller créer des nuances. Comme ça ici, et je fais la même chose là, tranquillement. Cette partie-là ici, je vais vouloir qu'elle soit orange. Et je vais rajouter un peu de rose à la base. Maintenant, je vais vouloir aller faire du jaune aussi en bas. Voilà. Et je vais aller mettre du orange.
Ensuite, je vais aller colorier chacune des parties qui sont là. Je commence avec du orange. Et je vais garder la suite logique des couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai choisi le orange pour commencer parce que je veux bien différencier les ailes de mon papillon. Et je vais aller ajouter un petit peu de orange plus foncé dans cette première partie-là. Je viens chercher mon rose. Et je vais aller mettre du rose plus foncé à l'intérieur. J'ai oublié cette ombre-là. Ensuite, je prends le rouge. Et pour faire mon ombre, je vais juste passer plus souvent à la base. Un petit mauve. Un bleu. Et ici, hein, théoriquement, c'est plus foncé parce que c'est derrière. On va faire le turquoise. Voilà. Et le vert. On termine avec jaune. Et on continue avec le orange. Avec le rose. Je viens rajouter un petit peu plus de rose. Le rouge. Le mauve. Le bleu. Le turquoise. Tu vois que je colore toujours dans le sens des ailes de mon papillon. Et je termine avec le jaune. Et le orange. Voilà. Pour ce côté-là, on peut aller revenir et fermer le corps de notre papillon. Je vais continuer la même suite logique pour les ronds ici.
Et voilà. Et tu peux revenir ici avec un noir pour remplir l'espace. Tu pèses très fort sur ton crayon pour avoir un noir là, très foncé. On met du noir ici aussi. Super. Là, j'ai envie d'aller mettre mon papillon dans du feuillage. Donc, un peu comme dans mon champ de fleurs, je commence avec des lignes vertes. Je continue avec du jaune. Je mets du vert foncé à la base de mes herbes. Et j'ai envie de mettre du orange dans tout ça. Et pourquoi pas du rose? Encore du vert plus foncé à la base.
Et voilà, c'est terminé. Tu as maintenant ton papillon arc-en-ciel. Alors voilà, tu as maintenant ton papillon arc-en-ciel. Et j'ai envie de te dire que je sais que le temps peut paraître long ces temps-ci, mais justement, je donne ces ateliers-là pour non seulement t'aider à passer le temps, mais aussi à réaliser des œuvres dont tu vas être fière. Donc, j'espère que tu t'amuses bien, j'espère que tu développes tes techniques et j'espère qu'on va se revoir. Donc, voilà, je te dis à la prochaine!